Bonjour, les gens me demandent, finalement, tu dis lancer des fourchettes. C'est quoi lancer des fourchettes? Donc, c'est sûr qu'on peut la modifier ou pas la modifier. Le pas la modifier, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait quand même, surtout dans des matières moins dures que, admettons, du bois, par exemple, de la chair ou un melon d'eau. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la modifier. Donc, vous voyez ici, simplement aplatir avec le marteau ou avec les doigts. Puis de se donner une pointe, ça nous permet d'avoir un dard. C'est possible de lancer par le dard ou simplement comme un shuriken. Puis on va lancer comme un shuriken pour vous montrer ce que ça donne. On va le lancer de nouveau. Ça crochit très peu. Maintenant, on va lancer par le dard. Donc, vous voyez, ça fonctionne encore. Après quelques lancers, la pointe a perdu son bout, mais ça fonctionnait encore. Donc, j'ai fait 3 lancers par le manche, comme un shuriken. Puis, j'ai fait 3 lancers par la lame. C'est possible de lancer de cette manière-là. Parfois, c'est plus facile. Ou bien de cette manière-là. On peut aussi décider de lancer comme ça. C'est à vous de choisir ce qui est facile pour vous. Donc, lancer de la fourchette, Nichiken Yamabushi, simplement pour vous dire qu'on peut tout lancer. Éventuellement, je vais vous faire le lancer du mégot de cigarette afin de nuire à la vision d'un attaquant. Nichiken Yamabushi, on n'est peut-être pas traditionnel, mais on est créatif. Merci beaucoup. Bonjour.